Amen. C'est tout ce que vous êtes protégé.
C'est pour ça qu'il ne faut pas donner ton numéro à tout le monde. Si tu es marié, évite de donner les numéros aux gens. Sinon, ils vont t'envoyer un message. Tu me manques, je t'aime trop. Ton mari voit ça important, c'est pas là, c'est divorce. Tu n'auras plus d'explication à donner. J'ai dit quoi? J'ai vu ça. Tu me manques beaucoup. Je te prie quand tu vas beau parler, il ne va pas te croire. C'est pour ça qu'il évite de donner un numéro aux gens. Si vous êtes marié, évitez ça. Tu as les petites choses qui peuvent créer manque de confiance. Maintenant, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir contact, c'est pourquoi? Non, c'est pour vous dire bonjour. Pourquoi? Je suis marié, monsieur. Prenez au sérieux. Puis tu dégages. Vous devez donner vos numéros à tout le monde. Ah, voilà, d'accord. Et puis après ça, vous te dites, mon mari est trop jaloux. Il a un petit message. C'est pas ce petit message a fait dans son cœur. Mais pourquoi la vie a mené et quand il voit ça petit. Ah, ça c'est quoi ça? On m'a dit, mais ça, du coup, c'est dangereux. Et nous, évitez ça. Non, amen. Donc je vous parle d'une jalousie haineuse. Je suis jaloux une personne qui vient d'acheter un champ par exemple et qui vient d'acheter une voiture. Je ne suis pas content parce qu'il a acheté une voiture. Quand vous parlez d'une bénédiction, une personne n'est pas contente. Elle est arrivée dans l'esprit de Saint-Denis. Parce qu'il y en a plusieurs formes. Voilà, il y a ce qu'il appelle la force, le mangeur d'âme. Le monsieur sort la nuit, il attaque pour manger. Lui, il attaque. Moi, train, de toute façon, on va à la chasse. Il a encore abouti. Lui, t'attaque la nuit. Oui. Mon corps. C'est le mangeur d'âme. C'est la sorcellerie des trucs. Amen. Il y a aussi notre forme de sorcellerie. Okay, là, vous on ne veut pas que l'autre reçu dans la famille. Il faut tout faire. C'est vrai qu'on s'en bat la nuit. Mais comme lui, ça va chez lui. Je vais aller chez les marabouts pour l'attacher. Je le sors. Amen. Elle me dit quoi? C'est elle, ceux qui portent pas. Ça veut dire quoi? C'est elle, ceux qui a porté pas. Ça t'a fait quoi, pas Wax? Elle porte là, ça te dérange. Tu es sorcier. Au lieu d'apprécier, toi, tu es contre pas Wax. C'est la sorcellerie. Elle dit quoi? C'est elle qui a bon mari. Elle n'apprécie pas. C'est l'esprit de sorcellerie. Amen. Donc il y en a plein de formes de sorcellerie. Une personne qui ne s'est pas appréciée, la personne est sorcière. C'est un esprit. C'est tout. C'est ça que quand tu marches une personne, il faut la maîtriser. Une personne qui ne fait pas avancer, c'est pas une personne. Vous allez dire non, mais ça veut dire quoi? Dieu, on le suit par le ciel. C'est quoi ce qu'il dit? Pourquoi si tu es? Tu as un intérêt. C'est le ciel. Si moi je marche chez toi, et toujours je me mets en état, ça ne vaut pas la peine. Mais encore un bon jour, et bien je dis. Amen. Remarquez bien vos amitiés. Pour la relation avec les gens. Leur manière de faire. Vous savez quoi, ils pensent à eux. Ils ne pensent pas à un intérêt commun. Comment vous commencez? Lui cherche son intérêt. Et puis il cherche à te détruire. C'est pour lui son envoi. C'est un sorcier. C'est pas que tout le monde marche. C'est pour ça que la Bible dit, si ton bras gauche, c'est pour toi l'occasion de chute. Quelqu'un vient toujours régler les problèmes. Que ça soit ta mère, que ça soit ton père. Parce que la Bible même dit, Jésus dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Dans la Bible, la paix presse de faire. Tu m'arranges pas. Et là, tu dégages ma vie. Je me sépare de toi. C'est pas une question de sentiment. Et là, quelqu'un qui me fait avancer. Ayez l'esprit de discernement. Ayez l'esprit de discernement. Et ça manque à beaucoup de personnes.
Alors comme c'est mon frère, je lui confie un projet. D'ailleurs, celui